Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 310 et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un manche de couteau en damas de contreplaqué et en laiton. Allez c'est parti! Pour cet épisode je démarre avec cette lame de couteau fabriquée par l'ami Gaëtan de la chaîne The French Knife Maker à qui je vais tenter de fabriquer un manche avec un petit morceau de damas de contreplaqué et un morceau de laiton. Je marque grossièrement la forme du couteau sur mon morceau de damas de contreplaqué sur mon laiton et je découpe celle-ci avec ma meuleuse pour avoir deux rectangles. J'ai bavure un peu les bords et pour commencer le travail, j'attache les deux faces de laiton avec du scotch de masquage et un peu de colle cyano, aussi solide que du double face et ça ne laisse aucune trace. Je ne suis pas super familier avec le travail du laiton qui est un métal plutôt malléable et censé être facile à travailler. Et ici, j'élimine de la matière et me rapproche le plus possible du trait du feutre sans le toucher. Première étape, ponceau stationnaire, mais la pièce chauffe super vite, donc on va essayer d'autres méthodes. Je commence par des limes, mais vu la matière à enlever, je me dirige très vite vers la meuleuse, d'abord avec un disque pour découper, puis un disque à lamelles. Quand je suis plus ou moins satisfait de la matière enlevée, je désolidarise les deux morceaux de laiton et direction l'acier à ruban pour ici aussi découper grossièrement le bois qui fera le corps principal du manche, toujours en suivant le trait sans le toucher. J'installe mon guide et je découpe le futur manche en deux. Un petit coup de colle époxy bicomposant pour commencer mon sandwich de manche, et je mets ça sous presse. Comme pour tous les épisodes, vous pouvez trouver la liste de tous les outils et matériaux utilisés dans la description. Mes deux bouts de sandwich de manche sont collés, je change la vitesse sur ma perceuse à colonne pour percer des trous à 6 mm dans le manche avec une vitesse adaptée pour le perçage du métal. Je reperce les trois trous à 6 mm de diamètre qui est le diamètre de ma tige d'acier qui va servir de goujon pour aligner tous les morceaux du manche. Je fixe temporairement la lame à la première moitié du manche et je perce les trous dans le laiton et le damas de contreplaqué. J'assemble ensuite les deux parties du manche et transfère les trous sur la deuxième partie de mon futur manche. Je trace et découpe une partie à enlever à la scie à métaux. Et je profite que les deux morceaux du manche sont solidaires pour commencer à former le manche. À la ponceuse stationnaire, je me concentre principalement sur le morceau qui sera difficile à atteindre quand il sera collé sur la lame. Je découpe trois morceaux de goujon dans une tige d'acier de 6 mm. Et on va passer à la phase de collage principal, toujours avec de la colle époxy. J'ai protégé la lame avec du scotch de masquage pour éviter les bavures et j'enduis le manche de colle. Je positionne les trois goujons et je mets le tout en serre. Après que la colle soit bien sèche, je reproduis le même processus pour l'autre côté du manche. Les trois goujons servant à renforcer le lien, mais surtout à positionner les deux parties du manche correctement. Maintenant que tout est bien collé, on va façonner le manche, d'abord en découpant les morceaux de goujons qui dépassent. Et
et on va passer un peu de temps sur la ponceuse stationnaire. D'abord pour égaliser les deux morceaux de manche et révéler le sandwich bois-laiton-acier-laiton-bois. Puis j'égalise les deux parties du manche pour que les deux côtés fassent la même épaisseur. C'est un petit couteau et j'ai une grosse main, donc mon objectif est un manche de 25 mm d'épaisseur environ. Maintenant que tout est bien égalisé, je commence à poncer la forme de mon couteau en accentuant certaines courbes avec les parties rondes de ma ponceuse stationnaire. Je suis satisfait de la forme générale, on va passer au ponçage de finition à la main. D'abord avec un grain 80 pour raffiner certaines formes et faire les transitions. Je passe ensuite à un grain 120 pour venir affiner encore certains éléments et effacer certaines traces des outils utilisés précédemment. J'enlève le scotch de masquage et les traces de marqueur à l'acétone avant de monter dans les grains 180, 240 et finalement 500. Un petit coup d'huile de lin pour protéger le bois et faire ressortir le contraste du manche en damas de contreplaqué. Et voilà, mon manche est fini. Voilà donc un manche en damas de contreplaqué sandwich laiton pour le couteau que m'a fait le poteau Gaëtan de la chaîne The French Knife Maker, avec un rendu que je trouve vraiment pas mal. Alors qu'est-ce que ça donne ce manche? Ouh là là, que même qu'il est trop joli. Avec bien sûr du damas de contreplaqué que j'ai fabriqué dans un épisode précédent, une couche de laiton et la lame que l'ami Gaëtan de la chaîne The French Knife Maker m'a fait et m'a envoyé gentiment. D'ailleurs, le lien de la vidéo de la fabrication de cette lame est bien sûr dans la description. Que dire sur la fabrication de ce manche? La première chose, le laiton, le copain Silwan m'a filé une petite plaque. Et en ce moment, j'ai tendance à en mettre un peu partout, parce que j'aime beaucoup le contraste acier-laiton, qui fait une espèce de transition entre l'acier vers le damas de contreplaqué. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et c'est un matériau que je maîtrise pas vraiment bien, donc je le mets un peu dans tous mes projets en ce moment pour essayer de le maîtriser un tout petit peu mieux. Un métal qui est plutôt malléable et plutôt facile à travailler, mais ça reste du métal, donc... moi ça me plaît. Comme vous avez pu le voir, 50% de l'épisode au moins, c'est la préparation des différents éléments. Ce qui veut dire les découper grossièrement, les coller les uns aux autres, avant de pouvoir les former. Et une partie qui est super importante, en tout cas pour les couteaux, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, c'est une partie qui va être très très difficile à atteindre quand vous allez la coller sur sur le manche de votre couteau. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire avant le collage, sinon vous allez vraiment galérer. C'est ce que j'ai fait avec ma ponceuse stationnaire, qui a été un des outils que j'ai utilisé le plus, et bien sûr le ponçage final, il a été fait à la main. Moi je suis plutôt satisfait du résultat, j'aime bien ce contraste. Je l'ai fait un peu épais, parce que j'ai une grosse main et que j'ai besoin de le tenir. La dernière chose, c'est que bien sûr, le couteau n'a pas encore été aiguisé. Voilà un petit épisode sans prétention, qui permet d'utiliser un matériau que je me suis fabriqué ici, le damas de contreplaqué, et de faire un joli manche. Je risque de faire un mini épisode où je vais faire le fourreau en cuir pour aller avec bien sûr le couteau. Je pense faire du cuir moulé. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Giga big up à tous les copains barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter du matériel pour vous proposer des épisodes encore plus géniaux, comme par exemple ici, la colle époxy bicomposant qui m'a servi à coller les différents éléments de mon manche de couteau.
Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour l'épisode 310 de La Grotte du Barbu, où je me suis fait un manche en damas de contreplaqué et en laiton pour le super couteau que le copain Gaëtan m'a fait. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.